la vidéo du jour, nous avons choisi d'aller en Suisse cette fois-ci avec le superbe carabine Brugger & Thomas APC en 9 et en 45. Alors, comment livrer ce Brugger APC? Donc, il est livré dans une belle petite mallette, démontée, hein, il faut le monter parce que la croix est fixe avec la nouvelle réglementation, évidemment. Nous avons donc la culasse, des chargeurs de 10, 20 et 30 coups, une petite notice qui est en anglais mais qui est imagée, donc on doit pouvoir s'y retrouver, une bretelle et un petit kit de nettoyage. Il est surtout livré avec l'Ampoint TL en 4 émois avec un montage rapide qui permet de le démonter instantanément. Alors, on va en profiter pour le monter. Donc la culasse, c'est un gros beau monobloc tout acier, tout usiné. Ça doit être increvable. Et il se monte dans la boîte de culasse qui, elle, est en acier aussi. On monte le levier d'armement qui est ambidextre, donc à gauche ou à droite, indifféremment. Le ressort qui n'a pas de sens. Donc, on peut le mettre indifféremment dans un sens comme dans l'autre, ça ne changera rien. Ensuite, on monte la crosse. Et enfin, la sous-garde avec ces deux goupilles imperdables. Hop, tac, et tac. Donc, c'est extrêmement facile. On va regarder de plus près ces deux APC, donc l'APC 9 et l'APC 45. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'APC 45 que nous venons de choisir et de rentrer. Nous allons en avoir un aussi pour le club de tir, ce qui nous permettra et de l'essayer tout à l'heure. Et d'avoir, quitte à avoir une arme un petit peu compacte, en 45 ça bouge un petit peu plus. Je trouve que ça peut être plus intéressant. Donc, c'est Suisse. Les Suisses sont très fiers de leur pays, ils ont sûrement raison de l'être. Donc ça se voit tout de suite. On a un emblème suisse, c'est de la qualité suisse. On a un boîtier qui est tout en acier, on a une culasse qui est tout en acier. Le reste c'est du polymère, mais il n'y a aucune trace de bavure, etc. C'est vraiment super bien fait. L'arme est livrée d'origine avec des rails latéraux, un rail en dessous, un rail au-dessus. Nous avons des organes de visée, guidon et hausse réglables à l'arrière. Nous avons choisi, bon, simplement par choix, de le monter avec un Romeo 6OR 4H avec lequel nous allons faire l'essai. Il y a aussi la poignée avant qui se démonte facilement. Hop, tac. Et les commandes qui sont très faciles à manœuvrer, donc l'armement, évidemment la culasse reste en arrière au dernier coup. Nous avons un arrêtoir de chargeur ambidextre droite-gauche qui vous permettra d'enlever les chargeurs. Pour remettre la culasse, il suffit de remettre le chargeur et d'appuyer sur l'arrêtoir de culasse qui lui aussi est ambidextre, c'est-à-dire un à droite et un à gauche. Et ensuite, on enlève la sécurité juste au moment de tirer en la mettant vers le bas, ce qui est beaucoup plus naturel. Voilà, la crosse est fixe à cause de la nouvelle réglementation, ce qui n'empêche rien et ce qui ne change absolument rien pour le tir. Et voilà, c'est une vraie belle arme, c'est de la qualité, c'est super solide, c'est super bien fait, c'est utilisé par les forces spéciales, par les forces de l'ordre de nombreux pays. Donc, j'ai hâte d'aller l'essayer. On descend tout de suite au stand. C'est fun, hein.